Ce que l'on vient d'étudier jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le binaire naturel. Il permet d'exprimer des nombres non signés. À partir de maintenant, on va essayer de voir comment représenter des nombres signés, des nombres binaires signés. En fait, il existe plusieurs méthodes qui permettent d'exprimer des nombres signés, mais on va voir uniquement les deux méthodes les plus utilisées. C'est la méthode de la représentation en signes et valeurs absolues et la méthode du complément A2. À vrai dire, c'est la méthode du complément A2 qui est la plus utilisée, sauf quand, dans quelques cas particuliers, on utilise la méthode signes et valeurs absolues. Donc, pour toutes les méthodes, on utilise la convention comme quoi le 0 va indiquer un nombre positif et 1 va indiquer un nombre négatif. Donc le 0 ou bien le 1 du signe va être positionné au niveau du MSB. Alors, dans la première méthode, la méthode signe et valeur absolue, c'est la méthode la plus simple, la plus évidente. Donc pour écrire un nombre, par exemple 3 ou bien plus 3 sur 4 bits. Donc plus 3 va s'écrire 1, 1 pour la valeur absolue. Le 0 pour dire que c'est un nombre positif. Et là, il faut compléter avec un 0 pour atteindre 4 bits. Alors, à partir de maintenant, le fait d'écrire un nombre sur 4 bits ou bien sur 5 bits ou sur 6 bits, ça n'est pas la même chose. C'est des valeurs différentes, surtout quand il s'agit d'un nombre signé. Parce que, tout simplement, on a toujours affaire au signe au niveau du MSB. Donc si l'on vous demande d'écrire un nombre sur 5 bits, il faut essayer de garder 5 bits, ni plus ni moins. Alors on va essayer de décrire quelques autres exemples. Bien sûr, moins 3, ça va être la même chose. Donc 0, 1, 1, ça c'est la valeur absolue. Et le 1, c'est le signe. Donc, moins 3. Par exemple, plus 6, la valeur absolue, c'est 1, 1, 0. Et le signe, c'est 0 pour positif. Moins 6, c'est 1 pour le nombre négatif. Et la valeur absolue. Donc, tout cela, c'est la représentation de moins 6 selon la méthode du signe et de la valeur absolue. Alors, ici, on va déterminer ce qu'on appelle la dynamique de cette méthode. Alors, la dynamique, c'est quoi? C'est l'intervalle de nombre qu'on peut représenter en utilisant cette méthode. Donc, pour la méthode signe et valeur absolue, sur n bits, on va pouvoir écrire tous les nombres allant de moins 2 à la puissance n, moins 1, jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Donc c'est ce qu'on appelle la dynamique de la méthode. Donc ici n étant le nombre total de bits, ce moins 1 là, c'est à cause du signe. Donc on enlève un bit pour le signe et donc moins et plus et ce qui reste, donc 2 à la puissance n moins 1 moins 1,
Donc, c'est les valeurs positives et les valeurs positives et les valeurs négatives. Par exemple, sur 4 bits, sur 4 bits, donc ça va être de 2 à la puissance 4 moins 1, donc c'est 8, 2 à la puissance 3, 4 moins 1 c'est 3, 2 à la puissance 3 c'est 8, moins 1, donc c'est 2 moins 7 à plus 7. Donc 4 bits selon la méthode signe et valeur absolue. Avec 4 bits, on peut exprimer tous les nombres allant de moins 7 jusqu'à plus 7. On va remarquer juste un petit inconvénient ou bien un petit cas particulier, c'est que la valeur du 0 a deux représentations possibles. Donc ceci, par exemple sur 4 bits, ça c'est la représentation du 0 et celle-là aussi c'est la représentation du 0. Donc le 0 a deux représentations en utilisant la méthode du signe et de la valeur absolue. C'est un inconvénient de cette méthode-là. La méthode du complément A2 pour représenter les nombres signés, elle est identique à la méthode signe et valeur absolue dans le cas des nombres positifs. Donc les nombres positifs ont la même représentation dans la méthode signe et valeur absolue et la méthode du complément A2. Ainsi, plus 5 par exemple, sur la méthode signe et valeur absolue, ça va être écrit un, par exemple sur 4 bits. Donc ça va être 1, 0, 1 pour la valeur absolue et 0 pour le signe. C'est exactement la même représentation en utilisant la méthode du complément A2. La différence, c'est que dans la méthode du complément A2, pour trouver la représentation d'un nombre négatif, il faut faire le complément A2 du nombre positif correspondant. Par exemple, moins 5, son écriture au niveau de la méthode signe et valeur absolue, c'est 1, 0, 1 et 1 ici. Mais dans la méthode du complément A2, moins 5 s'écrit complément A2 de plus 5. Donc c'est complément A2 de 0, 1, 0, 1. Donc ça va être donc 1, 1, 0 et 1. Donc ici, on remarque bien que la convention est respectée du moment qu'on a pour les deux méthodes. 0 permet de représenter des nombres positifs et 1 permet de représenter des nombres négatifs. Alors, si l'on veut écrire par exemple ici, il faut faire attention sur le nombre de bits. Par exemple, si l'on veut obtenir moins 5 avec la méthode signe et valeur absolue, mais cette fois-ci sur 6 bits. Donc ici, ça va être 5, le 1 qui correspond au moins. Et ensuite, il faut compléter avec des zéros. Donc ici, il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, nous avons la représentation de moins 5 sur 6 bits selon la méthode signe et valeur absolue. Pour ce qui est pardon, de la méthode du complément A2, il faut prendre le complément A2 de plus 5, mais plus 5 écrit sur 6 bits. Donc on va écrire 5 et rajouter
3, 0. On va obtenir 1, 1, 0 et 3, 1. On remarque que pour cette partie-là, on a la même chose, la même représentation, mais il y a deux 1 supplémentaires. Donc, ce qui fait que la représentation du moins 5 sur 4 bits, elle est légèrement différente par rapport à la représentation de moins 5, mais sur 6 bits. C'est pour cela qu'il faut à chaque fois faire attention au nombre de bits utilisés. Alors, pour ce qui est de la dynamique de cette méthode, donc la méthode des nombres signés en utilisant le complément A2. Alors la dynamique, c'est de moins 2 à la puissance n moins 1 jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Alors ici, nous avons une représentation en plus par rapport à la méthode du signe et la valeur absolue. Si l'on veut réécrire la dynamique pour la méthode signe et valeur absolue, c'est de moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Par exemple, sur 4 bits, ici, on va écrire sur la méthode signe et valeur absolue sur 4 bits. On va pouvoir écrire tous les nombres allant de moins 7 jusqu'à plus 7. Pour ce qui est de la méthode du complément A2, également sur 4 bits, on va écrire la représentation de moins 8 jusqu'à plus 7. Alors ici, ce qu'on a gagné comme représentation, c'est l'une des deux représentations du 0. Donc la représentation avec un 1, elle est reprise pour écrire un autre nombre négatif. Donc ici, sur la méthode signe et valeur absolue, sur 4 bits, ceci veut dire 0. Par contre, sur la méthode du complément A2, cette valeur représente le moins 8. On peut le vérifier immédiatement. Donc pour vérifier cela, donc on a la valeur 1, 0, 0, 0. On va essayer de voir c'est quoi. Donc en binaire, bien sûr, c'est un nombre signé. Ici, maintenant, c'est un nombre signé selon la méthode du complément A2. C'est quoi sa valeur en décimale? Alors ici, du moment que c'est un nombre avec un 1 sur le MSB, donc c'est un nombre négatif. Il faut avoir en tête la définition que le complément A2 de A est égal à moins A, ou bien moins A, c'est égal au complément A2 de A. Donc il faut essayer de retenir cette définition. Donc le complément A2 de A est égal à moins A. Donc on va essayer d'appliquer cela sur cette valeur. Donc ici, on va écrire c'est égal, donc 1, 0, 0, 0, c'est égal à moins la même valeur. Donc ici, on n'a rien changé, on a pris 2 moins, c'est égal à moins. A, on avait dit que c'était égal à complément de complément A2 de A. Donc complément A2. Donc cette partie, on va l'écrire complément A2 de A.
Donc le complément A2 de ceci, c'est la même chose. Donc moins 1, 0, 0. Et là, il suffit de faire la valeur ou bien la conversion en décimale. Donc ici, c'est moins et ça, c'est 8. Donc ici, c'est moins 8. Donc ceci, ou bien 1, 0, 0, 0, en utilisant la méthode signe et valeur absolue, c'est la représentation du 0. Par contre, sur la méthode du complément A2, c'est la représentation de moins 8. Alors, ici, on va avoir une petite remarque quand il s'agit d'augmenter le nombre de bits d'une représentation d'un nombre binaire. Par exemple, nous avons le cas où nous avons affaire à des nombres non signés. Par exemple, nous avons 5. Donc, 5 s'écrit en binaire naturel 1, 0, 1 sur 3 bits. Si l'on veut écrire la même valeur, donc 5 sur 8 bits, suffit tout simplement de rajouter 5, 0. Donc passer de 3 bits à 8 bits, suffit de rajouter 5, 0. C'est ce qu'on appelle l'extension du 0. Alors l'extension du 0 est effectuée quand il s'agit d'un nombre non signé. Alors, pour les nombres signés, ici, ça n'est pas exactement la même chose. Donc, pour ce qui est des nombres signés selon la méthode signe et valeur absolue, par exemple, plus 5, on va l'écrire sur 4 bits de cette manière. On ne peut pas l'écrire sur 3 bits, le minimum c'est 4 bits. Pour représenter le même nombre sur 8 bits, on va prendre le 0 et rajouter le nombre de 0 qu'il faut pour atteindre 8. Donc ici nous avons 4 bits, donc il faut rajouter 4 0. Donc ici c'est la représentation de plus 5 sur 8 bits, moins 5 sur 4 bits, elle s'écrit 1, et la représentation de la valeur absolue sur 8 bits, ça s'écrit 1, et la même chose, et la valeur absolue, mais cette fois-ci sur 7 bits. Alors, la différence est au niveau des nombres en complément A2, ou bien la représentation en complément A2 des nombres signés. Alors, on avait vu tout à l'heure l'exemple de moins 5. Donc, on va l'écrire sur 4 bits avec, c'est le complément A2 de plus 5. Donc, sur 4 bits, c'est le complément A2 de 1 et 1. Ah, pardon. Donc la valeur du complément A2 du nombre positif correspondant. Donc on va obtenir 1, 1, 0, 1. Donc ici, c'est la représentation de moins 5 sur 4 bits. On va voir la représentation de moins 5, mais cette fois-ci sur 8 bits. Donc moins 5, c'est également complément A2 de plus 5, mais cette fois-ci, le plus 5, on doit l'écrire sur 8 bits. Donc ça va être 4, 0, 0, 1, 0, 1. Donc on va obtenir ici la même chose, mais là, on va rajouter 4, 1. Alors, pour plus 5, selon la méthode du complément A2, donc on va l'écrire sur 4 bits 0, 1, 0, 1.
sur 8 bits, ça va être 4, 0 et 0, 1, 0, 1. Alors ici, quand il s'agit de nombres signés, on remarque sur les nombres négatifs ou bien les nombres positifs, on a effectué ce qu'on appelle l'extension du signe. Donc pour passer d'une représentation sur 4 bits à une représentation sur 8 bits pour des nombres signés, il faut effectuer l'extension du signe. Qu'est-ce que ça veut dire l'extension du signe? Il faut dupliquer le signe du nombre. Ici, 1, on va le dupliquer 4 fois pour atteindre 8 bits. Et là, on a le signe qui est égal à 0. On va le dupliquer encore 4 fois pour atteindre 8 bits. La représentation en complément à 2 des nombres signés a 3 avantages essentiels par rapport à la méthode du signe et valeur absolue. Le premier avantage, c'est le fait qu'il y ait une seule représentation du 0 au lieu de 2. Ensuite, il y a une représentation supplémentaire dans la dynamique de la méthode du complément à 2. Et le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est le fait de pouvoir remplacer une opération de soustraction par une opération d'addition. On avait dit tout à l'heure que moins A, c'était égal au complément à 2 de A. Donc le fait de faire la soustraction B moins A, donc on peut la remplacer par une addition B plus complément A2 de A. Au niveau électronique, donc cette propriété-là est très importante car grâce à un seul circuit additionneur, on peut effectuer l'addition de deux nombres ou bien effectuer la soustraction de deux nombres. Donc B moins A, suffit de mettre ici B et là il faut mettre le complément A2 sur le même circuit, on va obtenir B moins A. Donc ça va nous faire des économies en quelque sorte. Au lieu de disposer de deux circuits, un additionneur et un soustracteur, on va utiliser un seul circuit pour effectuer les deux opérations. Pour ce qui est de l'arithmétique en complément à 2, c'est la même chose qu'on avait vu pour les nombres non signés, à part le fait que dans ce cas-ci, il y a un certain nombre de règles à prendre en considération. On va voir ceci sur des exemples. On va prendre par exemple un premier exemple. Donc 5 moins 7. Donc on va écrire ceci 5 plus complément à 2 de plus 7. Donc en binaire, ça va être 0, 1, 0, 1 qui est la représentation de 5 plus le complément à 2 de plus 7. Donc ça va être 0, 1, 0, 1 qui est le 5. Et le complément à 2 de plus 7, c'est 1, 0, 0, 1. On va faire l'addition. On va faire 0, 1, 1 et 1. Si l'on veut vérifier si ce résultat est correct, oui ou non, ici nous avons affaire à un nombre négatif puisque le MSB il est égal à 1. Pour connaître sa valeur en décimale, on doit faire moins complément à 2 de ce nombre. Donc comme ça. Donc complément à 2 correspond à un signe moins, donc moins moins,
C'est comme si on n'avait rien fait. Donc, E est égal moins le complément A2 de ça. Donc, 0, 1, 0, 0. Donc, ici, c'est moins 2. C'est correct. Donc, 5 moins 7, c'est bien moins 2. On va faire un deuxième exemple. On va prendre deux nombres positifs, plus 2, plus 4. Donc, c'est égal à la représentation donc, du plus 2, plus la représentation du 4. Donc, ici, on va faire l'addition. Donc, 0, 1, 1 et 0. Ceci, c'est un nombre positif. Donc, on va pouvoir le lire directement. Donc, là, c'est plus 6. Il n'y a aucun problème. On va prendre un autre exemple, moins 2, moins 4. Donc c'est complément A2 de 2 plus complément A2 de 4. Donc c'est complément A2 0, 0, 1, 0 plus complément A2 de 0, 1, 0, 0. Le complément A2 de 2 c'est 0, 1, 1, 1. Plus le complément 2 de 4, 0, 0, 1, 1. On va faire l'addition. On va avoir 0, 1, 0 est retenu 1. Ici, 1 plus 1 plus 1. Donc c'est 1 et retenu 1. Donc ici, 1, 1. Alors la première remarque, ou bien la première règle, c'est que si jamais on dépasse le nombre de bits, donc ici, comme c'est le cas dans cet exemple, ceci est une retenue à ignorer. Donc retenue à ignorer. Et on va voir le résultat. Donc ici, c'est un nombre négatif puisqu'on a au niveau du MSB 1,1. On va écrire moins complément A2 de ce nombre est égal moins, on va prendre le complément A2, donc c'est 0, 1, 1, 0. Ceci est la représentation de 6, donc c'est moins 6, moins 2, moins 4, c'est moins 6. Alors, la première règle ici, si jamais on dépasse le nombre de bits, ici nous avons affaire à des nombres sur écrits ou bien représentés sur 4 bits, le cinquième, on va l'ignorer carrément. On va prendre un dernier exemple, 4 plus 5. Donc la représentation de 4, c'est 0, 1, 0, 0 plus 0, 1, 0, 1, qui est la représentation du 5. On va essayer de faire l'addition. 0, 1, 0, 1. Donc ici, 1, 0, 0 est retenu 1 et 1. Alors si on veut voir le résultat, ici, il s'agit d'un nombre négatif. Donc ce n'est pas la peine de continuer davantage et de voir la valeur décimale qui correspond à ça. Là, il y a erreur. Nous avons un 4 et un 5, plus 4 et plus 5. Donc, c'est des nombres positifs. On voit bien qu'ils ont des zéros au niveau du MSB. Sur le résultat, on trouve un 1 sur le MSB. Donc, c'est un nombre négatif. Ah ben ici, il s'agit d'un cas de dépassement de capacité. En anglais, on appelle ça overflow. Pourquoi? Parce que tout simplement, le résultat de l'addition 4 plus 5 ne peut pas être exprimé selon la méthode du complément A2 sur 4 bits. Donc le plus 9, si on se souvient, tout à l'heure, on avait dit que sur 4 bits,
Avec la méthode signe et valeur absolue, on pouvait écrire de moins 7 jusqu'à plus 7. Et avec la méthode du complément à 2, on pouvait écrire de moins 8 jusqu'à plus 7. Le plus 9 n'est pas inclus dans cet intervalle. Donc c'est pour ça qu'on a ici cette erreur-là. Cette erreur, elle indique ce qu'on appelle un cas de dépassement de capacité. Alors, le cas de dépassement de capacité est reconnu dans le cas où nous avons une addition entre deux nombres positifs et le résultat est négatif, ou bien lorsque nous avons une addition de deux nombres négatifs et le résultat est positif. Donc, par exemple, si on a, on peut faire la même chose, moins 4, moins 5. Donc, c'est des nombres qui vont avoir un 1 ici et un 1 là. On peut faire carrément, disons, l'exemple. Donc, ça va être le complément A2 de 4, c'est 0, 0, 1, 1. Le complément A2 de 5, c'est 1, 1, 0, 1. On va essayer de faire l'addition. Donc ici, 1, 1, 1, et là, 0 et 1. Donc là, c'est ce qu'on appelle une retenue à ignorer. Et là, nous avons bel et bien un cas de dépassement de capacité. Nous avons deux nombres négatifs dont la somme donne un nombre positif. Donc c'est ce qu'on appelle un cas de dépassement de capacité ou bien overflow. Pour la multiplication et la division pour des nombres exprimés selon la méthode du complément A2, on va effectuer les mêmes algorithmes que sur le décimal. Alors, par exemple, si l'on veut faire la multiplication entre moins 5 multiplié par plus 3, donc ici, on va faire la multiplication entre les nombres positifs et ensuite on va décider sur le signe. Ici, nous avons des opérandes ayant des signes différents, donc le résultat va être négatif. Alors, pour effectuer ceci en binaire, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a moins 5, donc on va prendre le complément A2 pour passer de moins 5 jusqu'à plutôt à plus 5. Donc moins 5, par exemple, si l'on considère qu'on a 4 bits, donc plus 5 s'écrit comme ça, multiplié par plus 3. Donc on va effectuer la multiplication 0, 1, 0, 1, multiplié par 1, 1. Donc c'est 1, 0, 1, 0 et 1, 0, 1, 0. On va faire l'addition. 1, 1, 1, 1 et 0. Donc en réalité ici, il faut écrire, puisque le premier nombre, les deux nombres plutôt sont sur 4 bits, donc le résultat doit être écrit sur 8 bits, donc 4 et 4. Ça, c'est le résultat de la multiplication des nombres positifs correspondants. Donc ici, on voit bien que ici, c'est la valeur 15, donc ici, c'est plus 15. Seulement, au départ, nous avions moins 5 multiplié par 3. Donc le résultat final doit être négatif. Alors pour avoir le résultat négatif qui correspond à ça. Donc il faut moins 5 donc multiplié par 3 est égal au complément A2 de cette valeur-là qui est plus 15 pour obtenir l'équivalent de moins 15. Donc c'est 1, ensuite 3, 0 et 4, 1. Ceci est le résultat de la multiplication moins 5 multiplié par 3.
plus 3. C'est exactement la même chose pour ce qui est de la division. On effectue la division entre les valeurs absolues en quelque sorte, et ensuite on décide du résultat ou bien le signe du résultat à part. Dans cette partie, nous allons voir la représentation des nombres réels. Ici, le problème, c'est comment représenter la virgule. On avait vu sur les nombres signés qu'il y avait deux signes, donc le signe positif et le signe négatif. Du moment qu'on a deux chiffres binaires, 0 et 1, donc le problème s'était résolu de lui-même. On a utilisé la convention 0 pour les nombres positifs et 1 pour les nombres négatifs. Seulement ici, on ne peut pas représenter la virgule par un chiffre binaire parce qu'il va y avoir un problème. Comment distinguer la virgule par rapport aux autres bits de la représentation binaire? Alors, on doit utiliser dans ce cas-ci, pour la représentation des nombres réels, on doit utiliser des codes. Parmi les codes qui existent, nous avons la représentation en virgule fixe et la représentation en virgule flottante. La représentation en virgule fixe, ce qu'on appelle format QK sur n bits, donc la représentation en format QK sur n bits va permettre d'écrire un nombre réel petit x sous la forme x grand X qui est un entier qui est égal à l'arrondi de x multiplié par 2 à la puissance K. Donc, de cette manière, nous allons convertir le nombre réel en un nombre entier. Ici, la virgule, elle va disparaître. Il suffit tout simplement de savoir que K bits sont réservés à la partie fractionnaire. Et n-k pour la partie entière. Donc le cas où nous avons des nombres non signés, ou bien n-k-1 pour des nombres signés. Par exemple, on cherche à écrire le nombre réel 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 et 3, 1 avec le format Q5 sur 8 bits. Alors, d'après la définition, on doit faire la multiplication de ce nombre, donc 1, 1,1101011111 multiplié par 2 à la puissance 5. Ensuite, on va arrondir le résultat. Donc ici, le fait de multiplier par 2 à la puissance 5, donc on va trouver 1,1, ensuite 5 bits après la virgule, donc 2,1,0 et 2,1, virgule. Donc ce qui reste, c'est 0 et 3,1. Arrondir ceci va nous donner 1,1,1,1,0,1,1. Si l'on compte bien ici le nombre de bits, on trouve qu'on a 7 bits. Donc on doit rajouter un 0 pour compléter le nombre de bits total. Donc ici, nous avons la représentation en virgule fixe Q5 sur 8 bits du nombre réel
qu'on a donné ici. Alors, si on veut manipuler ce nombre, donc on doit connaître quel est le format qu'on a utilisé. Donc, à partir du format, on peut déterminer quelle est la partie fractionnaire et quelle est la partie entière. Le problème essentiel de la représentation en virgule fixe qu'on vient de voir est la dynamique. En effet, l'intervalle de nombre qu'on peut représenter en utilisant cette méthode est assez réduit. Pour régler ce problème, nous utilisons la méthode de la virgule flottante. Alors, cette méthode permet d'écrire un nombre réel, x, sous la forme moins 1 à la puissance s, où s est le bit signe, donc 0 pour les nombres positifs et 1 pour les nombres négatifs, multiplié par m, m étant la mantisse, c'est un réel positif, compris entre m et compris entre 1 et 2, multiplié par 2 à la puissance e. E, c'est un nombre signé, écrit sur 8 bits. Donc, sur E bits, M sur petit m bits et S sur 1 bit. Nous aurons donc une représentation sur n bits telle que n égale à 1 plus m plus E. Dans les ordinateurs, on utilise souvent une norme qui s'appelle le standard ou bien la norme I3E 754, qui a deux versions, simple précision sur 32 bits et la version double précision sur 64 bits. Alors, cette norme permet d'écrire un nombre x sous la forme moins 1 à la puissance s multiplié par 1, f multiplié par 2 à la puissance e moins 127. Donc ici, la mantisse étant positive, donc on est sûr que à sa droite, plutôt à sa gauche, sur le même, au niveau du MSB, on est sûr qu'on a un 1. Un 0 n'aurait aucune signification. Donc on peut écrire la mantisse sous la forme 1, f au lieu de 0, f ou 0, quelque chose d'autre. Donc ceci va nous permettre de gagner la représentation d'un bit supplémentaire. E ici s'appelle l'exposant biaisé. Le biais ici de moins 127 permet d'écrire des nombres grands ou très petits. Donc E ici, c'est un nombre non signé codé sur 8 bits. Donc dans le cas de la représentation en simple précision, donc les 32 bits sont divisés de cette manière. Donc nous avons un bit pour le signe, 8 bits pour E et le reste 23 bits pour F. Pour ce qui est de la représentation en double précision, elle est sur 64 bits. Le signe est toujours sur 1 bit. Nous avons 11 bits pour E et 52 bits pour F. Donc ici, au total, nous allons avoir 64 bits et là, 32 bits. Le standard I3E 754 présente quatre cas particuliers. La représentation dénormalisée qui correspond
AE égale à 0 et F différente 0. Donc ici, nous avons une représentation différente de celle qu'on vient de voir. Donc là, les nombres réels vont s'écrire sous la forme moins 1 à la puissance S multiplié par 0, F multiplié par 2 à la puissance moins 127. Donc nous avons 0, F au lieu de 1, F. Le deuxième cas, c'est la représentation du 0. Donc c'est lorsque E égale à 0 et F égale à 0. Donc ici, nous avons deux représentations du 0 plus ou moins 0, du moment qu'on a un bit signé à part. En troisième lieu, nous avons la représentation de l'infini, plus ou moins l'infini, également en fonction du bit signe. Ici, c'est le cas où E égale à 255 en simple précision, ou bien égale à 2047 dans le cas de l'utilisation de la double précision, et F égale à 0. Donc E est égal à 8,1 en binaire, ou bien 11,1 en binaire avec F égale à 0. Donc ici, c'est la représentation de l'infini. Donc c'est le cas où c'est un calcul génère un résultat qui dépasse ce qui est représentable de façon normalisée. Ensuite, la quatrième possibilité, c'est not a number. C'est le cas où E égale à 255, bien sûr, en simple précision, et 2000, ou bien 2047 en double précision, et cette fois-ci, F est différent de 0. Not a number est utilisé dans certaines opérations, par exemple, si l'on a une division de l'infini par l'infini. Donc, c'est un résultat qui n'est pas un nombre, qu'on ne peut pas. Ou bien un résultat indéfini. Donc ici, on le mentionne par une écriture avec F différent de 0 et E égale soit 255 ou bien 2047, que l'on utilise la simple précision ou bien la double précision. On va voir deux exemples pour appliquer ce qu'on vient de voir. Dans un premier temps, on va essayer de convertir la valeur moins 21,375. On va essayer de voir quelle est sa représentation en virgule flottante selon le standard I3E 754. Alors, dans un premier temps, il faut convertir ce nombre au binaire. Donc, on va garder le moins tel qu'il est pour l'instant. 21, ça s'écrit 16, 8, 0, 1, ça fait 20, et 1, ça fait 21, virgule 375, c'est 0,25 plus 0,125, donc 0, ça c'est 0,25, et ça c'est 0,125. Donc ça, c'est l'écriture de 21,375 en binaire. Alors, ici, dans la représentation virgule flottante, S va être égal à 1. Donc S va être égal à 1. On va essayer de déterminer E et F. La valeur qu'on vient de trouver, on doit l'écrire sous la forme 1,f multiplié par 2 à la puissance e moins 127. Donc ça va être 1,01010101. Multiplié par 2 à la puissance 1, 2, 3, 4. Donc multiplié par 2 à la puissance 4. Donc ici, c'est F. Donc on peut l'écrire ici. Donc 0, 1, 0,
1, 0, 1, 1. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va continuer avec des zéros pour obtenir 23 bits. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Il n'y a pas suffisamment de place, c'est pas méchant. Ensuite reste le E, donc E moins 127 égale à 4. Donc E égale à 131, qui s'écrit en binaire 1. Ensuite, c'est 128 plus 3. Donc 1, 1, 3, il nous reste 5, 0. Donc la représentation, ça va être ça, 1, 5, 0, 1, 1. Donc ceci, c'est la représentation de moins 21,375 selon la méthode de la virgule flottante I3E754, bien sûr, simple précision. Si on veut écrire en double précision, il suffit tout simplement de rajouter des zéros ici de telle sorte à avoir 11 bits et rajouter des zéros sur F pour continuer et avoir 52 bits en tout et pour tout. On va voir un autre exemple. Donc, le cas où on a une représentation en virgule flottante, et on va essayer d'en déterminer la valeur décimale. Donc, par exemple, nous avons cette représentation-là. Donc, il suffit tout simplement d'identifier les différentes parties. Donc, ici, nous avons S. Donc, c'est un signe moins. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, là, c'est E. Là, c'est S. Et F, c'est uniquement ça. Donc, on va écrire le nombre E est égal 128, 130. E ici égale à 130. Donc E moins 127 égale 3. Donc le nombre N qu'on recherche, c'est moins 1,111. Donc c'est F multiplié par 2 à la puissance E moins 125, donc 2 à la puissance 3, donc c'est égal à moins 1, 1, 1 et 1, qui est moins 15. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu les codes binaires naturel pour les nombres non signés. Nous avons vu les deux méthodes ou bien les deux représentations signes et valeurs absolues et complément à 2 pour les nombres signés. Et nous avons vu la méthode ou la représentation en virgule fixe et la représentation en virgule flottante pour les nombres réels. On va essayer maintenant de voir d'autres codes numériques qui ont été utilisés ou bien qui sont utilisés pour représenter d'autres types de nombres. Le premier code, c'est le code BCD. Alors en fait, le code BCD de l'anglais Binary Coded Decimal, donc c'est du décimal codé en binaire.
Les gens, lorsqu'ils ont commencé à concevoir des machines à calculer, donc ils ont essayé de préserver l'utilisation du décimal et de ses règles, mais cette fois-ci en codant, bien sûr, les chiffres en binaire plutôt. Donc le BCD permet d'écrire les 9 chiffres décimaux en binaire. Alors, puisque nous avons 10 combinaisons, donc il nous faut au moins 4 bits. 3 bits vont uniquement faire 8 combinaisons, donc il nous faut 4 bits. Alors, le 0 décimal va être codé en binaire, donc comme ça. Le 1 de cette manière-ci, le 2 comme ça, ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Seulement, du moment qu'on utilise 4 bits, donc il va y avoir la possibilité d'avoir d'autres combinaisons. Ce sont les combinaisons de 10 jusqu'à 15, donc les combinaisons en binaire 10-10, 11 jusqu'à 15. Ces combinaisons-là sont appelé pseudo tétrade. Dans les calculs en BCD, ces pseudo tétrades peuvent générer des erreurs. Donc à chaque fois qu'on tombe sur un pseudo tétrade dans les calculs, il faut corriger en ajoutant la valeur 6. On va essayer de voir si c'est possible par la suite sur une autre présentation, quelques exemples sur ça. Ainsi, pour trouver l'équivalent BCD d'un nombre décimal, ça n'est pas comme dans le binaire naturel, là où on passe par les divisions successives. Ici, pour écrire par exemple la combinaison qui correspond à 237 décimales. Ici, il suffit tout simplement de coder ou bien de donner la représentation BCD de chacun des chiffres. Donc 2 s'écrit 0, 0, 1, 0. Bien évidemment, tous les chiffres doivent être représentés sur 4 bits binaires. Le 3, 0, 0, 1, 1 et le 7, 0 et 3, 1. Ceci, c'est l'écriture BCD du nombre décimal 237. Donc, on a la combinaison du 2, celle du 3 et celle du 7. En sens inverse, par exemple, 1, 0, 0 et 0, 1, 1, 0. Donc, BCD. L'équivalent en décimal, il faut convertir ça en décimal et ça en décimal. Donc ceci c'est 8 et là c'est 6. Donc c'est 86 décimales. Par exemple, cette combinaison-là, ceci ne peut pas être un nombre BCD parce qu'ici nous avons un pseudo tétrade. Donc ceci, ça n'est pas une écriture BCD. Pour illustrer les problèmes engendrés par l'utilisation du BCD, donc on va voir un petit exemple. 9 plus 5. On va essayer d'effectuer cette opération en BCD. Donc 9, c'est 1, 0, 0, 1. Plus 5, c'est 0, 1, 0, 1. On va faire l'addition, donc 0, 1, 1 et 1. Ceci,
est un pseudo-tétrade. Donc, ce nombre-là ne peut pas être considéré comme un nombre BCD. Donc, le fait de faire une addition et de tomber sur un pseudo-tétrade, il va falloir corriger le nombre. Donc, on va additionner 6. On va faire l'addition. 0, 1, retenu 1, 0 et retenu 1. Et ici, 1. Et on va compléter par des 0. Et maintenant, on va voir le résultat. Ici, c'est 1. Et là, c'est 4. C'est bien 14. Donc, le résultat est correct. En réalité, il y a plusieurs cas de possibilités là où on doit corriger par l'addition du nombre 6 ou bien du chiffre 6 BCD. Ces situations-là, j'espère qu'on va pouvoir les voir dans une autre présentation. L'autre code qu'on va voir maintenant, c'est le code gray. Le code gray ou binaire réfléchi, c'est un code binaire où la règle pour obtenir les différentes combinaisons, c'est commencer à partir de 0. Donc là, la représentation pour les 0, c'est par exemple sur 4 bits, donc 4 0. Et à chaque fois qu'on va sur un chiffre ou bien un nombre qui suit celui-là, la règle c'est de changer un seul bit à la fois. Donc le 1 va être écrit de cette manière. Uniquement le premier 0 va être modifié. Le 2, c'est 0, 0. Ici, si jamais je modifie le 1, je le transforme en 0, je vais tomber sur la même combinaison. Donc, je dois garder le 1 tel quel et modifier ce 0-là. Et je vais écrire 1. Donc ici, la combinaison pour le 2 en gray, c'est 0, 0, 1, 1, qui était en réalité la valeur pour 3 pour le binaire naturel. Ensuite, le 3, on va essayer de suivre à chaque fois la même règle, donc un seul bit qui change à la fois, bien sûr, en commençant à partir de la droite. Donc ici, 0, 0, 1, je peux changer celui-là. C'est une combinaison que je n'ai pas utilisée encore, donc elle est bonne. Ensuite, le 4, si jamais je modifie ce 0, je vais tomber sur cette combinaison. Alors, je vais, et si jamais aussi je modifie ça, je vais tomber sur la première combinaison. Alors, je vais écrire 0, 1, et je garde cela tel quel. Le 5, ça va être 0, 1, 1, et je peux modifier le premier 0, puisque cette combinaison, je ne l'ai pas encore utilisée. Le 6, ça va être 0, 1, et je peux modifier celui-là, 0, 1. Le 7, ça va être la modification du premier bit. Donc 0, 1, 0, 0. Donc ici, on voit que c'est des codes différents par rapport à ceux du binaire naturel. Alors, ce code gray, il s'appelle aussi binaire réfléchi parce que si par exemple, on a des nombres sur 4 bits, on va écrire uniquement les 8 premières combinaisons. Les autres 8 combinaisons pour arriver à 16, puisque 4 permettent d'avoir 16 combinaisons. Donc elles vont être obtenues par réflexion en quelque sorte. Donc réfléchi, il y a un certain effet miroir. Il suffit tout simplement. Donc pour le 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, dans un premier temps, au lieu ici d'avoir partout des zéros, on va avoir partout des 1. Et ce qui est réfléchi, c'est que nous avons la dernière combinaison, donc 1, 0, 0, elle va être reprise ici. Et je continue avec celle-là et celle qui la précède, ainsi de suite. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 et 0, 0, 0. Alors ici, nous avons les 16 combinaisons pour les nombres en gray du 0 jusqu'au 15. Le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange, est un code sur 8 bits. L'un des 8 bits est réservé au contrôle de la parité. Les 7 autres permettent de représenter des caractères alphanumériques, des symboles ou bien des commandes. Par exemple, nous avons le A majuscule est représenté par la combinaison 41 hexadécimale. Le A minuscule par le 61 hexadécimal, le 0 par la combinaison C30 en hexadécimal, la parenthèse ouvrante par le code 28 hexadécimal. Alors les codes représentés ici, c'est les Plutôt les caractères représentés ici, ce sont les caractères latins. Après, le nombre de bits qui est de 7 ne suffisait pas pour coder des caractères d'autres langages. C'est pour cela que les gens ont introduit un autre code qui est l'Unicode. Alors, l'Unicode est un standard qui permet la représentation des caractères dans différentes langues. Il est développé par le consortium Unicode. Il dispose de trois types de codage. Un code ou bien un codage sur 8 bits, UTF-8, un codage sur 16 bits et un autre sur 32 bits. Donc l'utilisation de 16 et 32 bits permettent le codage de plusieurs ou bien d'un grand nombre de caractères de plusieurs langues.